Bonjour à tous, c'était Camon avec la nation des Berniques hurlantes. On se retrouve dans Stellaris, épisode 44, Distant Stars, Apocalypse, et je suis dans le paradoxe. Paradoxe parce que voilà, je trouve quand même que côté expansion, j'ai pas eu du jeu, mais je me trouve quand même bloqué, puisque j'ai une fédération ici et une fédération là. Et je me rappelle dans mes parties pacifiques que je faisais mes Vulcains, les fédérations avaient quand même une grosse flotte, donc. Je vois bien que la Firale Impériale Stealth fait des revendications et qu'il doit se sentir plus fort que moi. Alors j'ai le choix de faire la guerre tout de suite, mais je pense que je vais me faire poutrer, honnêtement. Ou de continuer à me renforcer et à faire encore, mais ça va être de la gestion et je trouve ça très très long. Donc je vous pose la question dès l'intro, on va faire la partie. Mais si vous pensez que c'est mou, est-ce que à votre avis, votre conseil éclairé, dois-je continuer à persister, à monter, à grossir, à réduire le nombre de flottes? Peut-être. Mais je me sens en difficulté dans ce cas, parce que deux royaumes d'un coup, c'est balèze. Ou faire de la conquête ailleurs, créer une guerre peut-être avec eux ici. La Mitron Divine Order, pourquoi pas, tiens, partir sur autre chose. Comment ils sont? C'est théocratique. Ah, c'est vrai que c'est pas idiot, en fait. Associé fédéral, simplement, et il est en défense avec Ezukar Multitude, qui eux sont... Ah, mais je les aime bien, eux. Ah oui, ou alors être dans une fédération, peut-être, pour tenir le choc. Ça serait peut-être ça, la question. Alors, la fédération, du coup... Ça risque d'être long. Ça risque d'être très long. Est-ce que je devrais faire une fédération avec eux? Et le Mictor Grid, j'aime beaucoup aussi. Hein. Mais eux sont associés avec personne. Ils sont en pacte d'agression avec eux aussi. Ok, ok. En guerre avec la Silicron Exterpators. Comment ça se passe la guerre d'ailleurs? On va jeter un œil dessus, tiens. Je me pose plein de questions cet épisode. C'est vrai que je pense un peu... Je pense que c'est tendu du slip en fait, totalement. Ah mais ils sont énormes. Ils sont énormes. Et c'est vrai qu'eux, ils font tampon aussi avec la Silicron. Est-ce que je vais les retrouver? D'accord, les écarts multitudes. On pourrait faire un grand grand tampon. Non, moi ce qu'il me faudrait, ce serait carrément eux comme copains. Parce qu'ils sont à côté. Donc ce serait vachement diplomatique d'y être. Chercheur spirituel. On peut demander à cette fédération. Alors eux, ils sont comment? Associé fédéral. Avec la Sacred Council. La Sacred Council. Comment ils sont? Je pense qu'on va partir là-dessus. Sinon, je m'en sortirai jamais. Ah oui, ils sont juste là. Ah bah écoute, oui. Statut d'associé. Oui. Pouvons demander à cette fédération d'avoir statut d'associé. Ils auront confiance en nous, plus 0,50 par mois jusqu'à un minimum de 100. Allez, c'est ce qu'on va faire. Et nous, on va continuer à se renforcer parce que je me sens tellement faible. D'un coup. Et là, il se passe quoi? Pourquoi je suis figé? Voilà. Alors. Ok. Eh ben, on va repartir dessus. On fait ça bien. Du coup, les Buvondons, qui sont sûrement très forts. On a avancé quoi comme revendication, tout ça? Non, on va stopper les revendications pour l'instant. Et on va faire ce que je dis, de la gestion pure. Hop! Oui! Qui est inoccupé? Tu peux faire sûrement autre chose de mieux. Un dôme du paradis. Alors attends, si je faisais un dôme du paradis, là, plus 4 et 2. Dans un désert, ce serait énorme.
Our ships have been made superior. Allez, on va le faire, le dôme du paradis ici. Très bien. Jinir, on va tout améliorer, je vous aime, vous. Avec quel zen. Monde montagneux, bah oui. Non, on va continuer à se développer, on est vraiment trop faible hein, pour l'instant. C'est ça la frustration la plus grande. Minéraux. Et c'est vrai que je fais pas trop de robots, parce que je n'ai pas trop confiance non plus, pour l'instant. Tout est un 0,9, ah oui, ça coûte cher. Ok. Alors, côté flotte, je me pose d'autres questions. On va y revenir. Paf. On perd en puissance. Hein. C'est une impression ou quoi? Là, t'es parti faire quoi? Pourquoi tu as ça? You loop, non. Moi, je veux que tu restes à Bintu. Tu vas à Bintu. Ah, mais c'est pour se faire améliorer. Non, bah non. On va vérifier un truc. Concepteur de vaisseau. Alors, l'auto, il a un DPS de 10,84. Et celui que j'ai fait, 15,42. Ah bah non, carrément non. Il a un autocanon éventreur en bouclier coque. Avec un missile à fusion. Bouclier coque. Ah ouais, blindage. Il n'y en a rien d'autre pour le blindage. Missile antimatière. Bouclier. Ah, bouclier. Torpille spatiale. Ça pourrait être sympa. Des torpilles. Attends, on va réfléchir à ça. On est à 18,99 de dégâts. Ah oui, carrément. On a un DPS de 5,72. Bouclier coque, quand même, c'est pas mal. Siphon énergétique, 3,46. Le diffuseur phasé, c'est pas terrible. Par contre, bouclier... Ah ouais, punaise. On va rester là-dessus. Ok. En puissance alimentation, on est top. Post-combustion... On pourrait passer au bouclier 4. Alors attends, blindage. 17 points de... Alors, plus 85, plus 110. Ah ouais. Je peux pas sauvegarder... En cours d'amélioration. Non. Il faut attendre ça. Mince. Eh ben, on va reprendre là-dessus. Stopper. Voilà. Stop. On reprend. On refait. Donc, c'est celui qu'on améliore. On va donc prendre la torpille à plasma. Ça, c'est clair. L'autocanon, on le laisse. Ici. On reprend le bouclier, à la limite. Et j'ai régénération 110. Ouais, non, c'est quand même pas mal, ça, c'est top. Voilà, on sauvegarde. Voilà. On va ensuite sur le destroyer. Alors, l'auto, 17,93. Non, c'est largement mieux quand c'est nous qui faisons tout. On a 204. Alors, ici, on revient sur le grand canon. Bouclier moins 50, plus 50, fait plus de dégâts, par contre les manages ils n'abîment pas, il abîme que les boucliers. Pas terrible. Mais il fait un dégât de 22,82. Large. 30.
Ah, le canon électrique avance. A new conflict has erupted. Blindage et coque. L'accélérateur de plasma est pas mal. Hein. À la limite, il faudrait un truc qui bousille les boucliers là. Plus 100, plus 100. Le disrupteur phasé 622. Canon électrique, bouclier. Ah ouais! On va tenter ça, le canon électrique. On va mettre plutôt. Ici. Blindage et coque à 23. Oui, bah pause. Oui, on fait du design aujourd'hui. Allez, là-dessus on est bon. On va passer au rang 4. La post-combustion. Alors, il donne quoi? De l'alimentation en plus, mais on est bien. Chance de toucher plus 5. Point de vie bouclier plus 10. Ah. C'est pas vilain ça. Hein. C'est pas vilain, mais non. Voilà. On sauvegarde. On va tout rechanger encore la flotte. Hein. Je bidouille. Ici on est à 55, 58, voilà. Et l'autre est monté à 37 quand même. Hein. On est quand même mieux que l'auto. Canon électrique, bouclier plus 50%. Ça c'est un bon choix. Bouclier, bouclier. Et là, blindage et coque en moyen. Certains de placement est pas mal. Blindage plus 50. Ah, un petit pour bouclier 100%, blindage 100%. Ah oui, non, attends. 6,22. Celui-là est à 12, mais il fait que plus 50%. ...9,64, blindage et coque, ça c'est bien. On va tenter ça. On va tenter, et lui, bouclier... Non, bah non, non, non. Large. Si tout ça enlève les boucliers. Ah non, blindage et coque. Bouclier, bouclier. Blindage. Coque 50%. On a des pièces de 23 et là 17,02. On va changer notre manière de voir, blindage et coque, oui, ça explose tout. Du coup, on va revenir au canon électrique, plutôt, de rang 4. Alimentation, on est top. On est quand même largement mieux, moyen 275. Ouais, on est largement supérieur. Les boucliers. Et on est sur du vitesse subluminique. Et chance de toucher. Ouais. Qu'est-ce qui va pas? Un vaisseau de ce modèle est en cours de construction. Alors on reprend. Si je change, est-ce que je peux sauvegarder? Ah non, parce qu'il veut vraiment pas. Ah mince, on reviendra là-dessus.
cuirassés. On va se poser la question. Oui, bah on en finira ça après. Ah oui, il y a même les plateformes de défense. Construction complete. Les plateformes de défense, attends, ouais. Vous rigolez ou quoi? On va les mettre balèzes. Chose que je n'ai jamais fait avant. Non, l'alimentation, ça va. Toucher. Auxiliaire. Ici, on est au max. Ok. Comment ça se passe? Ici, bouclier. Alors, surtout les blindages, d'accord. Les boucliers. Ouais. On peut le faire, hein. On va rester au bouclier. Mais du coup, il va falloir travailler le blindage aussi. 25%. C'est beau le disrupteur quand même. 6,22, que lui 9,64, blindage coque. Voilà, on va faire ça. On va sauvegarder. C'est sauvegardé. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Plateforme défensive. Ouais, on va la laisser comme ça. Bon. Ah tiens, l'Empire qui me gêne fait la guerre à côté. Bon, c'est pas grave. Nouveau dirigeant. Allez. On va voir un petit peu son programme, mais je peux rien faire. Incoming transmission. Enquête sur les aliens. De la recherche. Là-dessus, je peux pas. Et Dama, elle. Bien. En techno, je me suis pas fait loser là-dessus. Special bon. Project. Amibe spatiale. Merveilleuse entité récemment découverte par nos flottes, sont des formes de vie spatiale inconnues. Projet spécial, étude des amibes spatiales. Situation log updated. On est assez costaud pour voir. On va faire une étude là-dessus. Ok. Si bien que je reprends un peu mes flottes. Ah, au déluge qui est près de... Ah, qui est là. On va l'améliorer. Ce qui veut dire que la station Allium... Bon, Abintu... Ouais, tu m'embêtes. On va faire un chantier naval. Construction. Poste d'écoute. Et on va l'améliorer en forteresse stellaire. Là, je suis d'accord. Ici, comment ça se passe? Révac, je n'ai pas assez. C'est pas grave. La flotte sauvage, ici. Eh ben, on va l'améliorer. En DPS, on est à 10-4. Je pense qu'il y a vraiment besoin, là. Chantier spatial, c'est bon. Batterie. 4. Alors, un flot de raid de Thébadoran a été détecté en approche de notre espace. Les communications interceptées indiquent qu'elle a été payée par une puissance rivale pour attaquer nos systèmes. Mince. Ah ! Stop. Ils vont où, là ? Ils ne peuvent aller que ici, à Vral ou à Osphir. Mettre à jour. Ouais. Tiens, ce serait pas con de faire ça aussi. Voilà, on met à jour tout ça. Tu donnes de l'énergie, des minéraux contre un gaz de terraformation. J'accepte. Ils font la paix. D'accord. On relance. C'est vrai qu'ils ont des flottes assez lourdes, hein. Moi, je suis pas là à 15 000, 20 000. Oh, j'en suis très loin. Très, très loin. On reprend. Blizzard! Améliore-toi. Du coup, là, c'est bon. La marée rouge. Amélioration immédiate. Côté renfort, après, on verra les plus faibles. 9000. Après, je me trompe. Gestionnaire de flotte.
corvette Clever Clam. C'est l'auto, non, moi je veux l'intercepteur. En croiseur, c'est le bélier qu'il me faut. They are assaulting our spaceport. En bélier, voilà. On va prendre tout ça, destroyer. On va prendre celle qu'on a fait. Frégate non. Croiseur et cuirassé. De toute façon, special project complete. Étude des flagelles. Récupérer tissu de coque régénératif. Évitement plus 5. Ah, ça m'intéresserait plus ça. Our ships have been made superior. Alors on revient dessus. Il y a un problème là. Blizzard, voilà. Corvette. On revient là-dessus plutôt. Destroyer. On va reprendre le canonnier. Et croiseur pour l'instant, non. Ah, 35, c'est beaucoup trop. On peut pas réduire. Zéro fait. Non, mais non, non. Canonnier. Ok. Et on revient sur le déluge. Là, c'est bon. J'ai remis à jour les bons plans. Du coup, ici. On relie un peu. Qu'est-ce qui se passe? Secteur manquant de ressources. Aubert Prime, on va voir après. Construction complete. Allez! Une flotte de 19 000, bien sûr. On peut rien faire de mieux, de toute façon. Sur Osphyre. Faire deux de plus. On va les laisser faire. La Radia. Et puis on va avancer. The conquest of a new world has begun. Oui, colonisation. Et le déluge, du coup, j'ai perdu. Attends, j'ai mis de tasse de proxy. Qu'est-ce qui me manque? The Cravens have destroyed one of our mining stations. Non, personne ne me manque, je sais ce qui se passe. Le chef des clans, c'est Issei. Tu es devenu le leader. Mince. D'accord. Est-ce que je peux envoyer un scientifique dans le coin, du coup? Qu'est-ce qui serait par là? Non. J'ai personne. Ah si, j'en ai peut-être un là. Il est en train de faire des choses. Sciences sociales, ISS Costabit. Viens là, toi. Et dirige-toi ici. Allez. Il n'y a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Tiens, par contre. Colonisation maximale, bien. On n'avait pas eu une doctrine. Je vais me poser une question. Ah non, je pensais avoir une techno intéressante. Je l'ai peut-être pas développée encore. Voilà, 6 plus 1 dès qu'on va l'avoir dans 30 mois. C'est à ça que je pensais, on aura une amélioration du coup. Par rapport aux capacités navales. The weaklings have destroyed one of our research stations. Bah, bah oui, t'as plus de scientifiques, c'est normal. Bon. Bah, on va finir ce raid dans la joie. Our ships have been made superior. Ils sont carrément en train de nous bombarder. Tu rigoles. D'accord, c'est pas la joie. En même temps, 18 000.
un peu fort. J'aurais pu faire une fusion des troupes. Donc en plus je manque un général. Ah bah c'est pas cool hein, franchement comme épisode. Donc c'est ça, pensez-vous que je pars dans la bonne direction en voulant faire la fédération, m'associer avec eux, pour ensuite faire une guerre après tout, et les phagocyter. Ou alors, l'autre question que je vous pose, puisqu'on arrive en fin d'épisode, on sait que le patch va arriver, tout va être réformé, les planètes, tout, en fait, ça va être le bazar, on n'a plus les tuiles. Est-ce que je dois continuer cette série? Est-ce qu'on le continue sur Stellaris? Ou est-ce qu'on fait une pause, on attend de voir le patch qui va tomber? Et dans ce cas, on peut repartir sur un nouveau let's play, autre chose que de la gestion 4X comme ça. C'est vrai que j'avais un petit jeu SF, mais c'est à vous que je le demande après tout, vous qui me suivez depuis le début. Je pourrais faire du Oxygen Not Included pour me marrer un peu et le temps de voir ce qui se passe à côté. Je vous en laisse la décision, vous avez vu l'épisode jusqu'au bout après tout. Parce que là je me renforce, je bidouille, j'essaie de voir un peu. Je vois bien que je galère encore. Mais avec ce patch, Richcool me dit ça va tomber, ça va coincer ta sauvegarde, c'est vrai, il a peut-être raison. Donc, merci de répondre en commentaire ce que vous voulez. Soit on continue, et j'essaie de faire une fédération, ce que je pense, pour tenir le choc. Ou soit on arrête là, et on fait une autre série, autre chose, on s'aère un peu, on attend de voir ce qui passe. Merci en tout cas de m'avoir regardé. Les pillards débarquent sur Valprime, bah tant pis pour nous. Et puis bah on verra ce qui se passe. Votre décision, on fera le point. Merci à vous, et à bientôt, c'était Camon. Bye bye tout le monde.